Moi, mon nom, c'est Max. Bonjour, moi, mon nom, c'est Bella. On va vous raconter une petite histoire ensemble. C'est l'histoire d'un gars qui s'était trouvé un nouveau travail, sauf que c'était un travail de nuit. Alors, il dormait le jour. Et c'est pas toujours facile, hein, de dormir le jour. Surtout que là, il y avait une mouche, une maugisse de mouche, là, qui arrêtait pas de se promener partout dans la chambre à coucher. Y a-t-il quelque chose de plus fatigant qu'une maugisse de mouche qui vient de bourdonner ça dans les oreilles? Mais essaya bien de la pogner, pas capable de l'attraper. Oui, une vraie de vraie mouche à marde, là, collante, là, puis fatigante. Finalement, il l'a attrapée. Là, il la tenait dans sa main, hein. La main fermée, là, ben dur pour pas qu'elle s'en aille. Oui, puis là, ben, pour être sûr qu'elle ne dérange pas pendant son sommeil, il se met à y chanter une petite comptine. Tout, 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 tout. La mouche, endormie ben dur, il réussit à faire sa nuit. À son réveil, il rapproche son poing de son oreille pour écouter. La mouche fait dodo. Là, ben, hein, il filait pour se revenger un petit peu quand même, hein. Alors, il approche sa main, il rouvre un petit peu ses doigts, puis là, il dit: Comment c'est comme ça, toi, de te faire réveiller à 2 heures du matin? Hihi, tiens-toi!